Alors, l'année 1950, elle nous a fait plusieurs beaux petits cadeaux. Elle nous a offert Stevie Wonder, Brigitte Bardot, Louis de Funès, Jean-Pierre Pernon. Mais surtout, elle nous a offert le championnat du monde de Formule 1. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Formule 1, c'est des voitures de 1000 chevaux pour 700 kg qui roulent à plus de 350 km. C'est un sport à la fois individuel et collectif qui allie humanité, compétition, business et international. Formule 1, c'est 10 équipes, 20 pilotes, 20 voitures, 5 continents, 20 courses par année. On va analyser les week-ends de Grand Prix, on va parler des pilotes, on va parler des rumeurs, on va parler des équipes. Mais surtout, je vous explique tout. Alors cette chaîne, elle est pour tout le monde. Pour ceux qui sont passionnés de F1, qui passent leur week-end devant leur télé à regarder des voitures qui tournent. Pour ceux qui sont juste régalés devant la série Netflix. Et pour ceux qui pensent encore que la Formule 1, c'est le sport de sieste de leur papa. En tout cas, je vous remercie d'écouter, je vous invite à vous abonner. Et allez, on garde le cap.